l'émission et il s'est arrêté. Voilà. Donc c'est quand même un bon signe. Ça veut dire que le chauffage sera. Bon courage. Je m'appelle Christian Paul et je suis organiste. Quelle que soit sa taille, son principe de fonctionnement n'a pas changé depuis ses origines. Ce sont les tuyaux qui produisent les sons, à la manière d'un instrument avant, trompette ou clarinette, par exemple. De leur diversité de formes et de matériaux découle la variété des timbres obtenus. Il faut ensuite de l'air nécessaire à la production de ce son. Il est fourni par des soufflets, semblables à des soufflets de forge. Cet air sous pression est distribué en continu dans l'ensemble de l'instrument au moyen de porte-vent et il est disponible à tout instant pour alimenter les tuyaux. Il faut enfin un ensemble mécanique constitué des claviers, pédaliers, tirants de registres qui permettent à l'organiste de sélectionner et de varier à volonté les timbres et les notes. L'organiste joue avec ses mains, avec ses pieds, mais aussi avec sa tête. Thank you.
ma vie s'est passée ici, dans cette petite ville. Très jeune, autour de 6 ans, mon père me fit prendre des cours de piano. Mais c'est vers l'âge de 8-9 ans que ma curiosité s'est tournée vers cet instrument. J'étais purement fasciné par les sons majestueux et les effets possibles de l'instrument roi. Petit, lorsque j'assistais aux messes dominicales obligatoires, lorsque j'allais au catéchisme, je montais discrètement l'escalier en colimaçon, entrais par la porte, me cachais derrière un pilier du triforium, et j'observais l'organiste. C'était une vieille dame, décédée depuis longtemps maintenant, mais dont j'ai toujours l'image en tête. Côté sensation, c'est la sortie de la messe de ma communion, où cette dame, Cécile, nom évocateur chez les musiciens, joua la célèbre toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Je l'entends encore comme si c'était hier.